Donc, personnellement, on a très content. Oui, Moussa, donc, Donc voilà un peu une dernière mission de quoi fonctionner. Moi je pense que tout mes fonctionner, puisque artiste congolais, africain, peut tout mes fonctionner. Ndenge, Moussa n'a plus besoin de singer là. Vous comprenez? Tout ça la musique, ne va pas que c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable, que ça soit de la musique. Voilà un peu. Donc qu'on essaie de respecter la définition de cette musique et puis qu'on fasse la musique. Le reste là, ça nous arrange, ça n'arrange rien et puis ça nous amène à rien. Vous comprenez? Donc voilà, le message que moi j'avais, c'est le message d'amour, le message de paix, le message à Bolingo. Et puis vraiment, ici, tous à vraiment soudés, quoi, tous à la un. Qu'on essaie aujourd'hui, un jour, à faire comme les gens de We Are the World et tout ça. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment important. Et deuxièmement, ça, on pourra s'organiser, bien s'organiser, ceux qui tous à un. Quand on est un, soir s'organiser. Excusez-moi, c'est comme le truc Maïcha Park, et malheureusement Maïcha Park c'était juste un mot qui, je veux dire, bon, c'était une première expérience, hein. Donc voilà, donc vous comprenez, c'est une première expérience. Les gens, chacun vient de chez lui avec bah cantine, bah idée naïe, donc il vient et puis voilà, Bosangani, c'est normal qu'il ait un mot comme ça, mais je pense que prochainement il vous allez mieux. Alors, toujours penser. Dernièrement, tout à l'heure, moi, j'ai initié un syndicat au niveau des Congo. À Kinshasa. Oui, à Kinshasa, un syndicat, le premier syndicat. Les syndicats, pas des musiciens, des artistes du Congo. Des artistes en général. Dénommé SIARCO. Ouais. SIARCO, c'est un syndicat des artistes du Congo. Il y a toutes les disciplines. Ouais. Il n'y a pas que le musicien, c'est tous les artistes. Je me suis dit que bon, l'artiste ne se retrouve pas dans son métier. Ouais. Et pourtant, nous sommes dans un pays de plus de 80 000... De plus de 60 millions d'habitants. Mais tu penses qu'on a la suivi par rapport à... Vous allez la suivi, vraiment. Mais oui, mais il y a les gens adhèrent parce que c'est juste pour défendre les droits et les intérêts des artistes, hein, en tant que personnes humaines, en tant que... Voilà, selon les règles et normes des droits internationaux, ils travaillent. Donc, c'est un syndicat. Excusez-moi, ce n'est pas une association. Je ne sais pas, une association comme ça, sans but lucratif, c'est un syndicat. Mais d'accord, même à ta association, ils ont toujours l'objectif moins bien. Mais bon, oui, je veux bien, mais le syndicat est différent. C'est différent de cette association-là. Oui. Le syndicat, là, parce que quand on se... Là, on va aller faire des, on fait des réclamations comme étant, parce que déjà là, on a une personnalité juridique, on a un agrément du ministère du Travail, vous voyez. Donc, c'est un peu différent d'un Moziki. Vous voyez, une association, bon, on peut ou ne pas qu'au, mais ce n'est pas les syndicats. Et dans les syndicats, là, on ne voit pas que les artistes et musiciens. Il n'y a pas que le musicien. Ça, on comprend bien. Mais déjà, Bino, bah, chef, bah, groupe, tant que vous avez déjà bah, syndicat. Oui. Bino déjà là bas mission à Bino à groupe à Bino bas agent bas contrat bas travail bas déjà mon boulot pour moi t'es Bino mon bas agent. Non mais c'est ça, moi quand j'ai dit ça Nairobi que les syndicats, je parle pas que des artistes et musiciens. J'ai pas que de mission, je parle de tous les artistes. Donc voilà, donc c'est ça, même ceux qui n'ont pas eu mon père dans la carte c'est moi là. Vous en prenez. Je pense que tant dans autant dans celle du Kamwana et puis nous devons assumer et puis ça ne doit pas se passer comme ça 50 ans après. Vous voyez, 50 ans après, on est comme le phase à cinquantenaire, donc ça ne va pas se passer car on est 50 ans avant. Donc il faudra que les choses c'est un peu d'évoluer. Effectivement, comme la discours mon père bien, je crois au lobby, ah, polémique, il faut vider, je crois qu'il y a un monde vraiment
comme une conscience quand même, apparemment. Non, la conscience a toujours été là, mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on a marqué un temps d'arrêt. Comme on dit qu'à 50 ans d'âge, on marque un temps d'arrêt. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été négatif? Qu'est-ce qu'il faut vraiment? Monsieur Moussouba suivre en gros, qu'est-ce qu'il faut vraiment? Maintenant, c'est question seulement de conscientiser les autres, quoi. Conscientiser Bango et puis qu'on se voit trop et puis que chacun puisse comprendre que et là, on a aussi l'intérêt dans les années, mais Manga et Wapi. Donc voilà, donc, c'est comme ça. C'est un peu de la bassesse, quoi. Je dirais franchement, actuellement, je me dis que dans ma façon de voir les choses, c'est de la bassesse à la télévision pour parler des Bayibinga musiciens. Et moi, je pense que si on avait fait ça, et c'était 50 ans avant. C'était dans les 50 ans passés plutôt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce soit un musicien ou l'obé souté? C'est-à-dire que maintenant, la phase où tous allez lire, il y a un contrat. Il y aura un contrat avec les musiciens. Et c'est respecté ou ce n'est pas respecté? Vous voyez, si ce n'est pas respecté, mais pour que non, on en oh, et Sengeli, si vous trouvez que non, oui, voilà, c'est les contrats. Vous voyez, il y a des contrats, parce que là, les gens ne vont plus évoluer, ne vont évoluer comme ça. Et comme si on est à ville, on est à Kendeli. Soit il y a un artiste, il y a un artiste, il y a un artiste, mais chez moi, ça ne va pas marcher comme ça. Chez moi, ça marchera vraiment. On a avec un contrat, un bon uniforme, où on respecte les contrats, on marche, on ne respecte pas les contrats. Il y a toujours des conséquences et juridiques qui vont venir après. Donc, voilà. Un featuring entre Emmanuel et Dakumuda. Voilà, ça, on le saura. Voilà. Et puis après, dans le contrat, on fout à Bango également régulièrement. On a un salaire à Bango. Bien sûr. Voilà, Dakumuda, je crois que le message est passé. Et puis voilà, donc bon retour et puis message à Souka. Non, mais message à Souka et Zaka que Mamote a trop, Merci d'abord aux amis de Wetchi, Wetchi International, Monsieur Wetchi qui est là derrière la caméra. Dans l'ombre et sous-souté parce que je sais pas toi et donc voilà et puis merci à toi aussi Alimia pour la disponibilité merci à Étienne Kimbukusu qui a soufflé qui est featuring à Kinshasa avec Emmanuel également featuring avec Emmanuel il faut featuring Libanda pas featuring à mort et comme il faut bima Libanda aux hommes featuring les grands musiciens donc sans ça les featuring Libanda et comme une étiquette je me dis qu'aujourd'hui Alimia laissez-moi c'est peut-être les gens parce qu'on a sens moi je me dis que attends les boulots que moi j'ai fait non ça l'a pour que na c'est pelissa batu qui n'a s'est retrouvé n'a me retrouvé et je me dis que il faut que l'on embrasse banane moussous ou couper ça yo bien comprendre aux panza culture na yo aux panza musique Nabino et puis aux autres s'est retrouvé sur le plan l'icône d'appel s'est retrouvé aux autres comprennent donc photos à clair tous en a problème à piraterie Makassi n'ambo qu'on a biso oh yo salaké non l'artiste a sali succès Makassi mais en retour à Moni l'arté même ici aussi la piraterie c'est un peu partout c'est international la piraterie c'est international. Attends, oui je veux bien la piraterie c'est international mais la différence c'est quoi piraterie c'est Awa mais l'artiste aussi aujourd'hui si on dit qu'il a vendu 100 000 exemplaires c'est que à qui 100 000 exemplaires en dehors il y a Ozaï piraté vous voyez ils ont vraiment contrôlé puis l'icône d'appel à 100 000 exemplaires on est mon ami mais à Bissera tu bêtes à Masolo 200 000 exemplaires l'icône d'ailleurs c'est à 1000 vous comprenez l'icône de mon ami à 1000 exemplaires mais à Masolo 200 000 exemplaires. Donc moi je pense qu'on doit arrêter. Voilà. On prend, il faut arrêter dans le blog. Le bateau peut faire sa image, c'est mon sous entre temps, il y a. Alors on a besoin de faire sa image, on a été qui est d'accord dans le danger, on a été qui 100 millions d'exemplaires, du moment où que non, il est là. Donc je préfère que n'a expliqué mon mdeng et Zali, tout me gosse, n'a pas de conabiso, on a l'inga rabiso, la musique tout ça, on peut pas aider pour que tout me casse le coin. Au moins, on a besoin de moi, j'ai été en Côte d'Ivoire une fois. Donc, si mon disque est boyé, ce que ça, ils ont originé à son bidet. Tu vois, ça, c'est la conscience, il y a Yemourou, il y a peuple. Il s'est dit que Isa a piraterie à Sombaté parce qu'il a au bois comme on libanda. A préféré Somba disque Oyo, ils allaient vraiment original et puis la place où ils s'engagent, et puis artiste, ça s'est retrouvé. Voilà. Les lots en ratambo en abisso. Si 60 millions d'habitants, ceux qui ne fissent que 10% de la population, bah, sommi musique, naïo, naïo, alimes, c'est toi, bah, foutre les larat. Toi, bah, tout le monde, tu vannes, tu vannes, on a jeté ça dans l'aéroport en Chili. Parce qu'il y en a 10 que moi, aux autres, millions. Mais tous les autres, pourquoi? Parce que bon. Mais voilà, l'achat également. Pour terminer, alors on se retrouve très prochainement. Avec une autre gentille. Très prochainement, on se retrouve à Kinshasa également. Très prochainement à Kinshasa. Oui. Et je voulais vous dire tout d'abord à vous qui êtes ici, un grand merci.
J'ai un grand respect pour vous et pour tous les gens qui nous regardent. Vous savez, la merveille d'un artiste, c'est le public. Voilà. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Et tout le respect qu'un artiste peut s'incliner, c'est devant son public. Voilà. Je vous embrasse très fort. À très bientôt à Kinshasa. Au revoir. Voilà. Merci.